dites-moi, monsieur Jean-Luc Servière, comment s'est passé cet événement Terre de Brie, alors? Eh bien, écoutez, cet événement s'est très bien déroulé, puisque nous avons commencé ces activités depuis mercredi. Évidemment, depuis hier, le temps, la météo est un peu plus chaotique, mais quoi qu'il en soit, les Clévois ont été rendez-vous. D'ailleurs, on a observé hier qu'entre deux averses orageuses, les gens se mettaient à l'abri et retournaient. Donc, rappeler Terre de Brie cette année, qui est une nouvelle formule, puisque c'est une manifestation à laquelle, d'ailleurs, la mandature précédente, j'ai participé à l'organisation, c'est-à-dire une animation totalement gratuite offerte par la ville pour les visiteurs, enfants et adultes, de promenade sur le canal, que ce soit en pédalo, que ce soit en zodiac, que ce soit en canoë. Et puis, donc, cette année, on a innové parce que, en cette fin d'été un peu chaotique, certes sur le plan de la météo, et tout ce qui s'est passé ces derniers temps sur le plan sanitaire, on a souhaité, avec les conditions évidemment qui sont requises, à savoir les masques et les protections qui sont adaptées, eh bien redonner à Clé-Souilly cet esprit de fête qu'elle a connu par le passé. Et donc on a organisé avec un groupe de forains de Seine-et-Marne, on a donc organisé une petite fête foraine sur la place Charles de Gaulle. Et ça donne une image un petit peu de ville à la campagne que les Clévois souhaitent retrouver. Donc on a organisé cette fête foraine qui s'est installée elle aussi le mercredi. Donc les enfants du centre de loisirs, au cours de la semaine, ont pu bénéficier de tours de manège gratuits offerts par les forains et puis évidemment des animations sur le canal de l'Ourcq. Et puis le reste du temps, la population, jeune et moins jeune, ont pu participer à ces animations foraines. Et voilà, donc on a globalement positif. Voilà, donc en tout cas, on est plutôt ravis des retours et on a vraiment souhaité démontrer qu'en étant prudent, en mettant les gestes barrières, en mettant les masques, malheureusement, il faudra apprendre à vivre avec cette épidémie, on ne sait pas pour combien de temps, et il faut que la ville et que les gens, les familles vivent avec prudence, mais il faut penser aussi, c'est une petite pensée positive, avant que chacun reprenne le travail, et notamment, je pense aux écoliers, aux lycéens et aux collégiens. Voilà, très bien. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.